Allez, on continue. Après une victoire de Hubin avec son duolon, qui a justement réussi à s'imposer sans Vassa Yuri. Donc c'est la balle de match. Hein. Si Hubin remporte ce match, il est le champion de cette soirée. Complètement incroyable. D'ailleurs, on remercie notre hôte Adnan hein, de nous accueillir tous ici pour une session inoubliable et mémorable qui va durer tout le week-end. Allez, ça commence avec le Kyo de Kyler qui est en forme. Début de ronde avec un coup de rattrapé avec son souffle, c'est le gardien de point. Hubin a beaucoup de mal à sortir avec Chris Wimotic qui est entamé et c'est parti. Oh là là, cancel rapide de la part de Kyler qui rate beaucoup dans ce match. Voilà, avec le diagonal, je pense qu'on aurait dû choisir un autre stage. On ne voit rien à la caméra. Et le Kyo de Freezer qui se réveille et qui annihile, anéantit totalement le handi de Hubin hein, qui était quand même son arme. C'est la clé hein, du match, j'ai envie de dire. Histoire de duolon, un duolon qu'on a vu très très discret, hein, par bien entendu sa super victoire du match d'avant. Il a réussi à s'imposer contre Kusanagi, un match assez compliqué. Hein, le duolon qui prend un des counters et un Muero avec une chance sur deux, avec l'option select qui a été fait du mauvais sens, puisque Hubin a choisi la roulette la plus risquée. C'était très très intelligent de sa part. Là, avec le ballon d'interception sur le CCD, oui, il fait le Ricard, on fait le chage, raté. On a soigné très très bien le duolon de Hubin qui prend le CCD sur le CCD. Téléport X, chopé par le Kyo, une chance sur deux, décalage, ratage avec une nouvelle chope, sauvé, sauvé. Alors là, vous avez du duolon, il passe derrière, gros point, le duolon est sur CD en fuite, qui lui permet de rééquilibrer la balance, hein, il n'a pas pris trop de dégâts. Autour de Shenwu, le Shen de Freezer très 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 dangereux, comme on a pu le voir dans les matchs d'avant. Un rattrapage de counter raté de la part de Hubin avec le double Reka qui nous fait papiner. Et une furie qui était très très malvenue et qui va donner lieu à une punition totale. Hein. Je pense que si Freezer ne fait pas n'importe quoi, Violon est mort. Ça va être très difficile pour Hubin de revenir avec sa Yuri, sachant que Kim l'attend en dernier. Et je vous rappelle que le match-up Kim-Yuri est très très compliqué, hein, grâce au flash kick de Kim, qui empêche toute embrouille devant-derrière. Mais rien n'est fait, on a bien Hubin très très en forme dans ce tournoi. Rien ne dit qu'il ne va pas réussir à surmonter cet obstacle, qui pour l'instant est le Shen. Malheureusement, raté le combo et qui n'a pas pu avoir son deuxième son drive rempli. Voilà, HD, full screen de Hubin, qui va essayer de revenir dans ce match avec une version très très originale de HD Mode. Super option select en plus de la part de Hubin qui a gardé les ressources et qui place le. Ça a failli nous coûter très cher, hein, cette tentative de reset au lieu de confirmer. Maintenant, ça va être compliqué hein, entre les deux joueurs. Kim a quand même un petit avantage hein, en termes de ressources et en termes de match-up, mais rien n'est fait, hein, on sait qu'il y a Hubin peut-être dangereux, mais malheureusement il vient de gâcher son match avec ce dragon dans la garde, et Freezer tel qu'on le connaît ne ratera pas son combo, et il le rate, c'est la pression des tournois, hein. Rien ne peut arriver, un match parfait. Et Hubin a demandé. Ah, how do you stage Mdallam? Essayez de choisir un stage plus sombre hein, pour le. Vous avez pu faire. Non, c'est sélection. Si tu perds ce match, c'est un bracket très bien. Et à ce moment-là, tout ce que tu as fait jusqu'à présent n'aurait servi à rien. Allez, peut-être le dernier match de ce tournoi, un partout entre les deux joueurs. Je vous rappelle que Freezer revient de l'ouvrir bracket. Il doit remporter 2 sets pour s'imposer, tandis que Hubin a la balle de match.
Il bah, qui change de stratégie en mettant son jeu là. Pourquoi pas? C'est vrai qu'il avait très très bien travaillé contre Kyo. Très bien, il s'est fait avec la boule. Il le maintient dans le coin. Avec le Kyo, il remporte très bien son match. Il ne laisse pas le Kyo sortir du coin. Avec le setup Kyo, très bonne garde de la part de Kuzer. Il réussit à passer une chope. Il a réussi à rechauffer Kuba. Il garde en coin, au bac pour les bas A, il ne veut pas se faire embrouiller, il n'a pas peur des frames trap, et sur ce lieu, il est bien avec la boule carré sur Kyo, et sur les écouteurs qui n'est pas rattrapé comme il faut, et la chape de Diolone avec une chance sur deux, attention roule en arrière de la part, et de Fredor, et le Diolone de Ombas qui s'impose. Très 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 bon choix finalement d'ordre hein, de la part de Ombas, hein, qui a réussi à apprendre de ses erreurs précédentes. Il se retrouve en très très bonne position face au Shen de Freezer. Il a trouvé une ouverture en Babé Babé. Malheureusement, le HDMOG n'est pas encore là. Avec les Rekka dans la garde. Téléport X pour ne pas se faire punir. Très très bon choix de la part de Uba. Attention, le mind game est total. Puisque la chope va aller à n'importe quel moment. Les Rekka pour faire du point de la part de Uba. Il se fait pour l'instant mal donné par ce Shen. Et qui trouve une ouverture. Oui. Avec un bon combo. Attention, le Shen qui arrive à trouver son ouverture en caravan. Caravant, gros pied! Et qui remet les deux joueurs à égalité. C'est pour du Andy de Uba. Andy qui a fait très très mal hein, dans les matchs précédents. Son arme cachée, hein, si on veut dire. Là, bien vu le caravant gros pied en anticipation de la part à la partie de l'américaine avec le caravant pied gros pied en rapport au pétage. Attention, ce balai est très très dangereux, mais l'explosion prend comme un coup de face à Yajin de la part de Fever. Grâce à Chop et Uba qui trouve le maximum et qui s'attaque la terre au max. Qui essaye, je vous rappelle, en l'air et qui ne se fait pas punir et qui trouve le jeu à Chop. Mais je vous rappelle que Shen encaisse mieux quand il est en Super Saiyan. N'est pas encore fini. Très peu de ressources, il ne faut pas perdre son point. Donc si la chope n'a pas tué, c'est parce que le Shen était en Super Saiyan. Hein, j'explique aux gens qui étaient surpris. Moi-même, j'étais surpris, je l'admets. Et ouais, c'est le dernier personnage, le Freezer, qui a le full HD mais qui n'a pas de souris. Contre le Andy Bogard de Uba, mais rien n'est fait. Je vous rappelle que dans King of Fighters 13, le match n'est jamais terminé. Tant qu'il y a de la vie, il y a des combos et un gros flash kick qui passe complètement dans le casting de Uba. Et le repêchage avec la punition qui tue et qui remet les pendules à l'heure, puisque les deux joueurs reviennent à égalité avec un match-up toutefois très compliqué pour Uba. Mais rien n'est fait. Uba a des ressources, il a du combo, il a du HD. Il peut totalement s'imposer. Ah, c'est le pied bien vu de la part d'Uba avec la balayette qui se trouve dans le coin. Il utilise Daioken très intelligent, très intelligemment pour sortir du coin. Très très bonne exploitation de ses ressources avec la boule pour empêcher le flash kick. CD de Freezer qui va chercher une ouverture et qui ne met pas le HD. Il préfère utiliser un petit combo pour avoir la gagne à la prochaine touche. Très difficile pour Uba qui cherche une solution et qui prend un souci de counter avec le combo. Pas de drive utilisé, gaspillé de la part de Freezer. Très difficile là, la moindre ouverture peut coûter très très cher. Victoire de MF Uba en ce tournoi sans passer par la mise en braquette. Très très belle victoire de la part de Uba.